Initiating system one. System one loaded. Et hey, ho yo, c'est Gunsho et je suis de retour sur Fallout 4 pour faire la suite de mes événements. Donc voilà, là je suis lourd comme un coup une pierre. Donc c'est assez ouf. Bref. Sauvegarde pour mes vidéos, donc là en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré à la base, après je suis revenu ici, donc comme vous pouvez voir il fait nuit, donc je suis revenu dans la nuit avec petit canigou. Donc voilà, là je fais un peu chier escalier ce machin comme vous avez vu. Là après je me redirige normalement vers l'endroit où je dois y aller. Donc là je regarde vraiment là pour la mission qu'est-ce que c'est. Donc là j'avance. C'est très calme. Ce monastère, je regarde à droite à gauche, attention. Et en plus c'est une chapelle solitaire avec des squelettes qui jonchent l'entrée. Là je l'ouvre, je reste sur mes gardes. Je me disais, bon, je rentre pas dans la caverne, enfin dans le cave plutôt. Après, donc là, je laisse tomber et je vais vers l'objectif en essayant de bien garder mes distances avec les méchants. Et là, j'essaie d'escalader ce véhicule bizarroïde quand même. On dirait une maçonneuse, je sais pas, bon, enfin, moi j'arrive pas à monter vraiment où je veux. Donc là je vois qu'il y a un truc en face, je zoome, il y a une tourelle. Donc là je me dis je prends un peu mes distances, où je me rapproche. Là je vois en haut qu'il y a cette fortification en hauteur.
Donc je me dis, bon bref, oui. Donc là je rebrousse le chemin, je fais une petite sauvegarde honnête. Alors donc là je regarde, chouette des chiottes. Ce robot est vraiment fou. Quand j'ai écouté ça, je suis what? Qu'est-ce qu'il raconte ce robot? De la balle. Le vent. Le vent. Là, je vois une goutte. Je fais ah. De la balle. Dessus, hop là. De la balle. Donc là, j'essaie de pirater le PC pour contrôler le petit robot là. Et mes premiers essais ont été pas foutureux. Donc là, je fais autre chose, je regarde. Il y a toujours le robot qui délire. Des plaintes graves. J'y suis. Et voilà, j'ai réussi. Et à partir de ce moment, là, je m'attelle à tuer les monstres que je dois tuer pour récupérer le contrôle de la zone. C'est parti. Suivez le guide. Des dernières bestioles à tuer, je me trompe, peut-être qu'il y en a d'autres. Hey. Thank you.
ça y est. Hop, punaise, il y en a d'autres. Ok, d'accord. Encore deux goûts. Oh, bien joué. Hop, je tranche ces goûts-là. Comme si j'entre dans du beurre. Après avoir tué les monstres et tout, donc je me suis dit bon, je vais commencer à enlever tout le bordel qui traîne dans la base. Attention. Par ici. Donc je me suis dit bon, je vais aller marcher là, tac tac, regarder les derniers recoins, faire une petite sauvegarde bientôt là. Là je regarde vite fait de l'autre loin. Là je vois qu'il y a toujours le pont avec ses fortifications. Une petite sauvegarde et là je continue, là je dégomme la tourelle, je regarde en haut, donc attention, donc il doit y avoir quelqu'un en bas, hop, je le one shot d'une tête,
et là je m'avance prudemment au l'endroit pour monter qui est là. Il y a encore du monde donc voilà. Je vais essayer de chercher un truc qui puis être utile. Là, on y a du monde. Donc là, je vous laisse là pour un prochain épisode qui sera diffusé après. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye.